Les eaux des pharaons, a dit Philémon. Je suis sage. Mon nouveau nom est Sonia. Je peux le lire facilement à l'envers, je peux ajouter des lettres. L'enfer me pardonne et me fait de la place sur le petit banc de derrière la croix. Là, il y a plusieurs Sonia d'âge différent. Mais toutes font la même chose, ont les yeux tournés vers le dedans. Elles se regardent elles-mêmes. Moi non plus, je ne fais autre chose. Le banc bouge chaotiquement à droite, à gauche. Lorsqu'on a les yeux aveugles, on glisse dans des mondes inconnus en équilibre précaire. Je me regarde de très loin. Je me coupe de moi. Et je vois des aventures que je ne me rappelle plus. Le monde est à rebours. La lumière est filtrée par du papier calque. Et je me crie à nouveau. Adi ! Adi ! Réveille-toi ! Ne franchis pas la rivière. Mika n'est plus et ne peut plus te sortir sur le bord. Tu vas te noyer, tu vas naître grenouille. Pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Voici, je suis sage. Mon nom n'est pas Sonia, tu le sais bien. L'ange est parti chercher Mika, mais Mika est très loin. Elle ne peut pas venir. Je commence à m'appeler Sonia. Je vois un peu de Sonia. Maintenant, encore davantage, je suis sage. Mon nouveau nom est Sonia. J'ai eu une révélation terrible. Il me semblait que je pouvais sauver Adi, que je pouvais faire revenir en arrière le temps avec elle.